Le climat sécuritaire de plus en plus favorable à une mission d'itinérance en territoire de Djougou suite aux opérations menées par les forces armées. L'administrateur militaire, le colonel Mabosola Diss, s'est rendu tour à tour à Nizi, chef-lieu de la chefferie de Wambisa, et à Igabarière, de la chefferie de Bayamambaguru, le mardi 28 septembre 2021. Sur place, cette autorité militaire a présidé les réunions des comités locaux de sécurité afin de s'imprégner de la situation générale de ces deux entités. L'état de siège, c'est constitutionnel et c'est une décision du chef de l'État afin de ramener la paix dans les territoires de Djougou. Aux groupes armés de Djougou, l'administrateur militaire les appelle à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix prônée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est temps de déposer les armes. Il est temps de revenir à la raison. Il y a le programme DDRCS qui est en cours et je leur recommande d'être prêts à répondre massivement dans ce programme-là pour que la paix revienne dans notre territoire de Djougou. Notons qu'avant l'étape de Nizi et d'Igabarière, l'administrateur militaire de Djougou, le colonel diplômé en stratégie de défense, Mabosola Diss, était dans d'autres entités du territoire de Djougou pour les mêmes fins. Ainsi, il invite la population à faire confiance à l'armée et à raviver la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre le retour de la paix à cette période de l'état de siège. L'Union nationale des femmes de médias de l'Ituri réaffirme son engagement à contribuer à la pacification de cette province à côté de l'administration militaire en appui aux efforts de la paix amorcés par le FRDC, ceci dans le cadre de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est à travers ses 48 structures d'alerte précoce installées dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Marie-Yvette Moussafiri, coordonnatrice de cette structure de femmes de médias en Ituri, l'a dit. C'est mercredi, c'était à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de 3 jours à l'attention des organisations de la société civile, des autorités coutumières et des structures féminines dans son projet Appui au réseau des femmes pour la prévention des conflits en RDC sous financement des DFID en partenariat avec Internews. Avec les participants à ces assises, nous avons appelé les autorités de l'état de siège, les chefs des chefferies secteurs, les chefs coutumières et la société civile de toutes ces entités, ainsi que les femmes, parce que nous avons foi qu'ensemble avec eux, nous pouvons aider les autorités de l'état de siège pour bouter hors d'état de nuire ces maux qui est en train de gangréner dans la province de l'Ituri et qui surtout freine notre développement. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, qui a présidé la cérémonie, a d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour son soutien de pacifier l'est du pays avant d'interpeller la conscience du peuple iturien à la cohésion sociale. Pourquoi est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont dans les groupes armés? Parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations. S'ils pouvaient avoir une occupation et pouvoir participer au développement de la province, je suis très sûr qu'on les ferait peut-être partir de ces groupes armés. Signalons que des pistes et des solutions seront assorties à l'issue de cet atelier dont l'objectif final est de lutter contre la violence communautaire. Rentrée des classes ce lundi 4 octobre 2021 en province de l'Ituri. L'administration militaire sensibilise déjà le parent à envoyer massivement leurs enfants à l'école. Une initiative qui vise à prévenir un éventuel enrôlement des enfants dans les forces négatives en cette période de l'état de siège, souligne le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, au cours d'un point de presse ce mardi. S'agissant de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons, je la considère pour ma part comme une contribution à la consolidation de la paix pendant cette période spéciale de l'état de siège. La gratuité de l'enseignement de base étant effective en RDC, grâce aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, rien ne peut justifier la rétention des enfants à la maison. C'est ainsi qu'en sa qualité de commandant des opérations militaires, en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire rassure que tout sera mis en œuvre pour une rentrée de classe sécurisée en Ituri. Pendant
cette période de l'état de siège. Nous ne ménageons aucun effort pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la province de l'Ituri. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La sécurité est la condition sine qua non du travail et de l'enseignement dans les écoles. Signalons que cette sensibilisation fait suite à une note d'orientation mise en place par le secrétariat général du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique pour permettre la rentrée en dépit de la pandémie Covid-19. Outre l'aspect sécuritaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, veut rendre accessibles tous les réseaux routiers à travers la province de l'Ituri afin de permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Pour ce faire, il a besoin des entreprises sérieuses dotées de matériel digne de son nom. C'est le cas pour l'entreprise Mongabaon qui a bénéficié le marché de réhabilitation de la route Bunia-Chomia, longue de 55 km. Eli Akilimal Joseph rassure la population de Bunia. Et nous, on a penser d'abord venir avec ces enjeux pour qu'on puisse accompagner la province dans le cadre du développement, surtout dans les infrastructures. Oui, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est derrière le président de la République. Vous avez suivi quand il a été ici. Il a dit que la province puisse nous appuyer. Donc là, on essaie de mettre la main dans la pâte. La province va intervenir peut-être à un pourcentage, mais ce qui est important, c'est que la province va quand même financer. Comme des hommes d'affaires, tu peux faire un petit 500 mètres, 600 mètres de ta poche, puis monter à la population que voilà, nous sommes là pour encourager la population et pour réunir les gens. Parce que vous voyez, le travail comme ça, ça réunit les gens. Signalons que l'entreprise Mongabaon a l'intention d'asphalter 20 km de route en ville de Bunia. Elle apporte également son assistance aux populations du Nord Kivu et de Kalemie dans les domaines agricoles. Une solution routière pour le peuple ituriens. Le centre des commandes, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km au site de la ville de Bunia, n'a jamais été attaqué. De même, ses environs, à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km de Komanda sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de miliciens FPIC étouffés dans l'œuf en début d'après-midi du dimanche dernier. Le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, nous en dit plus. La situation à Komanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose. Nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce qu'il y avait les Tchiniakilima et les ADEF. Et leur but, c'était de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Komanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc dans plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14h, à 5 km à Makayanga, de Komanda Centre, il y a eu les mêmes Tchiniakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier deux véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga. Tous ces bandits-là. D'où la population de la province de l'Ituri est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. Restauration de la paix en Ituri est attendue dans une approche globale. Les programmes ESPER viennent en appui aux efforts consentis par les gouvernements provinciaux dans la restauration de la paix et la stabilité en cette période de l'état de siège. Représentant les gouverneurs de province, les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin émet le vœu de voir ces organisateurs mener à bien ce programme qui tombe à point nommé, selon la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, matérialisé par le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni. Moi, je suis Moulin. Nous sommes là. Quand on dit en avant, marche.
si nous allons comme ça en avant. N'est-ce pas? On va vers l'avant. Mais maintenant, aujourd'hui, ça c'est un Mourema. Moi, je suis Moulendou, comme ça. On dit à l'avant marche. Eh bien, chacun va dans sa direction, vous créez des fossés. Vous créez des fossés et au détriment de qui? Des voudeux. À l'issue de ces travaux. Si nous apprenons à travailler côte à côte, on va de l'avant. Mais si on travaille dos à dos, chacun prend sa direction, et la province va en partie, va souffrir. Bitouri n'a pas besoin de l'aide de la caisse de péréquation. Bitouri a tout. 6 mois suffisent, si les choses sont sérieuses, s'il y a une cohésion sociale, Bitouri va germer. Pour joindre l'étude à l'agréable, les participants ont formé des focus group pour analyser les rapports du comité de suivi qui ont exposé à tour de rôle, formulant des recommandations. Le souci est rapprocher la justice aux justiciables. Nous avons proposé la construction et l'implantation d'un parquet militaire dans les coins reculés. Les autorités sécuritaires devront tenir compte des alertes précoces de la part des communautés et aussi faire le suivi des recommandations. C'est très important. Dans le même ordre d'idées, le vice-gouverneur a exhorté la crème intellectuelle à envisager ce qui découlera après l'état de siège, car a-t-il ajouté. Le pardon mutuel, la cohabitation pacifique et la tolérance doivent toujours caractériser les communautés de l'Ituri pour une paix durable. Le gouverneur militaire d'Inor Kivu a séjourné dans la chefferie des Bachouan, territoire de Beni, ce dimanche 26 septembre 2021. La mission du lieutenant-général Constant Dima Kongba dans cette partie d'Inor Kivu s'inscrivait dans le cadre de l'itinérance et des suivis des opérations militaires 10 jours après l'attaque des villages Kilaou et Mutendero par des hors-la-loi. Attaque qui avait occasionné mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels, mais aussi des déplacements des populations. La descente du gouverneur de province l'a conduit jusque dans les groupements de Isale Wouovi, entouré de ses proches collaborateurs dont 3 membres de son cabinet et des responsables du secteur Sokola 1, l'autorité provinciale a tenu une réunion en la résidence du chef de la chefferie de Bachou, le moine Abdoul Kalemire III. Une occasion pour Constant Dima de comprendre l'évolution de la situation sur le terrain. À l'issue de la réunion, le gouverneur s'est adressé à la population de Wouovi. L'essentiel de son message était axé sur les opérations que mène l'armée pendant cette période de l'état de siège. Il a insisté sur la nécessité de l'accompagnement de la population derrière le FRDC pour combattre et anéantir les djihadistes ADF dont la visée est d'occuper les terres des Congolais dans la région de Beni-Ituri. Le lieutenant-général Constant Dima a rassuré les habitants de Bachou de la détermination des FRDC à se sacrifier pour démanteler les ADF qui regorgent dans leur sein des terroristes venus de par le monde avec comme la dernière preuve la traque d'un sujet jordanien. Je viens ici compatir avec la population et encourager les militaires au front. Et dire aussi à notre population d'être à chaque instant derrière son armée, l'unique qu'elle a pour bouter hors de notre territoire, de Beni, l'ennemi qui est ADF. Signalons que la population de Bachou s'est réjouie de la visite du gouverneur des provinces. À celui qui veut la guerre, parce que nous sommes dans la manque de paix, il faut que la guerre soit proposée en ordre. Et celui qui nous avons l'espoir en lui pour que nous ayons la paix. C'est un homme heureux qui a accompli sa mission que le lieutenant-général Dima Koba Constant et sa suite ont repris les convois direction la ville commerciale de Butembo. Après la chefferie des Bachou, en territoire des Beni, le gouverneur militaire du Nord Kivu a poursuivi son itinérance ce lundi 27 septembre 2021 dans une entité voisine, à savoir la ville de Butembo. Le lieutenant-général Constant Dima a pris tout son temps à communier avec ses administrés de cette ville commerciale à travers les différentes couches sociales qu'il a reçues sur place dans l'enceinte de l'hôtel auberge. Une occasion pour l'autorité provinciale de palper du doigt les réalités que vivent ses compatriotes de Butembo. Le premier groupe à être reçu, c'est celui des étudiants de l'Université catholique du Graben, UCG, qui ont proposé
au gouverneur d'organiser une conférence débat sur l'état des sièges, comme le dit ici Piscas Makambo. Et nous sommes venus voir l'autorité provinciale concernant une conférence que nous venons solliciter auprès de lui, qui va porter sur l'état des sièges. D'autres personnalités et ou délégations reçues par Constant Dima sont entre autres les députés provinciales Saïd Ibalukisha, élu du territoire de Beni, les représentantes des organisations féminines, avec comme porte-parole Madame Rose Tuombeane et la FEC Boutembo, dont le président est Polycarpe Ndibito. Les soucis sécuritaires dans la région ont constitué l'essentiel de leurs entretiens. Je suis venu échanger avec l'autorité provinciale sur la situation sécuritaire, parce que c'est ce dont la population a actuellement besoin. Nous sommes venus trouver le gouverneur parce que nous avons depuis longtemps souhaité le rencontrer par rapport à tout ce qui se passe chez nous, mais aussi par rapport aux conséquences de ces massacres sur les femmes et les enfants. On a parlé à son Excellence le volet sécuritaire qui est en train de tenir le travail des opérateurs économiques. C'était ça l'essentiel de notre conversation. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu à la mairie de Boutembo où il a répondu aux préoccupations des autres leaders d'opinion, toujours au sujet de la sécurité et de l'état des sièges. Il s'est compté par une centaine. Ce taximène moto est tout coup d'or, une couche la plus influente de la ville de Goma, sensibilisée ce samedi matin par le service des communications et d'information de la 34e région militaire. Une opération militaire d'influence portant sensibilisation sur le soutien à l'état des sièges, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Comme vous le savez, à l'heure qu'il est, l'ennemi est en train d'être traqué en profondeur. Et il a tendance à revenir en surface pour s'infiltrer dans la population. Et la population que l'ennemi cible, c'est beaucoup plus les motards et les tchoukoudeurs. Ils s'improvisent en motards, ils s'improvisent en tchoukoudeurs, et du coup, on a tendance à ternir l'image des motards et des tchoukoudeurs. Vu que c'est une couche très importante de la population, il fallait que cette couche composée des motards et des tchoukoudeurs soit sensibilisée. Que cette couche comprenne c'est quoi l'état des sièges et quel est l'état final recherché et comment est-ce que ils peuvent apporter une pierre pour la construction de cette édifice qu'on appelle paix, et cette paix voulue par tout le monde. Ces tchoukoudeurs et taximènes moto promettent de participer à la sécurité dans le cadre de l'état des sièges. Nous avons souvent été des victimes par rapport aux voleurs qui utilisent souvent les motos. Heureusement, les autorités de l'état des sièges nous ont appelés par rapport à cela et nous sommes prêts à collaborer avec eux. Nous sommes prêts à dénoncer tous ces gens-là qui utilisent des motos au nom des motards. Dans cette ville, il y a beaucoup d'infiltrés, beaucoup de bandits. Avec l'état de sièges, va nous aider à différencier nos membres et des bandits là. Soulignons que cette sensibilisation intervient après l'étape des confessions religieuses et des journalistes. La force navale de la République démocratique du Congo, plus que déterminée à assainir le lac Édouard, ce jeudi 23 septembre 2021, sur ordre de l'amiral Ngoy Egide John, commandant du 33e groupement naval, 24 piroguettes, une pirogue, 28 tas de filets prohibés et deux scènes de plage ont été incinérés à Vichumbi par le capitaine de vaisseau Amissi Wanyata, commandant de la 333e base navale en présence des services techniques de pêche du lac Édouard. Ces arrestations sont le fruit des patrouilles amorcée par la force navale depuis le projet LIF 2. Josué Moukoura, secrétaire général de FECOPEIL, salue les efforts fournis par la force navale congolaise pour cette deuxième phase d'incinération afin de mettre fin à la pêche illicite sur le lac Édouard. C'est pourquoi nous félicitons fort les efforts de Gilles Ngoy, le commandant 33e groupement naval, pour son soutien aux patrouilles mixtes pour l'assainissement du lac Édouard conformément à l'accord bilatéral entre les Ougandais et nous. Celui-ci lance un appel au gouvernement congolais d'appuyer la force navale dans la traque des groupes armés autour du lac Édouard pour permettre aux pêcheurs de bien exercer leur métier.
Nous voulons en sorte qu'ils puissent maintenant aussi soutenir les opérations pour traquer les groupes armés Mai Mai qui sont à Tchanika, qui sont en train de soutenir et la pêche illicite, le braconnage et même la carbonisation. Notons que cette deuxième phase d'incinération a commencé à Nyakakoma où l'on a incinéré 13 piroguettes et plusieurs filets prohibés, à Kavinyonge 13 piroguettes et 7 pirogues avec 13 tas de filets pour chuter à Vichumbi. Une volonté manifeste de la hiérarchie de la force navale congolaise de mettre fin définitivement à la pêche illicite et les pêcheurs clandestins sur le lac Édouard. Le procès du général-major Igile Ayave Jean-Luc et consorts a repris vendredi 17 septembre 2021 à Kinshasa devant la haute cour militaire. Cette reprise est consécutive à l'arrêt de la cour constitutionnelle qui a déclaré non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu général Igila devant la haute cour militaire. Premier arrêt rendu par la cour constitutionnelle, l'auditeur général avait réagi en introduisant une requête pour rectification des erreurs matérielles et la cour constitutionnelle s'était aussi prononcée par rapport à cette requête. Madame la greffière principale va nous lire le dispositif. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, ordonne la jonction des causes R constitutionnelle 876 et R constitutionnelle 899. Dit que l'objet de la requête de M. Igila Jean-Luc sous R constitutionnel 876 ne relève pas de sa compétence. Déclare en revanche irrécevable pour tardivité la requête de M. Boulala Panou Paul sous R constitutionnel 899. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la haute cour militaire par le prévenu Gilayav Jean-Luc. Reçoit par contre l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant cette juridiction par le prévenu Boulala Mpanou Paul et l'a dit fondée. Dit que l'article 112, alinéa 1.7 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire viole les articles 19 alinéa 1 et 156 alinéa 1 de la Constitution. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidence de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au premier ministre, à la haute cour militaire. Cette cour présidée par son premier président, le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, poursuit au total plusieurs prévenus, notamment le général-major Igila Yave Jean-Luc, le lieutenant-colonel Mwamba Kabunda Jean-Paul, le lieutenant-colonel Kazadi Wakazadi décédé, le major Kabeya Dingo Thomas, le capitaine Mutanda Mukunde, l'adjoint-chef Elanga Mambatu Kami, l'adjudant Mandombela Metiana, le premier sergent-major Mandoka Elembo Joseph, le sergent-major Molingo Banza Andrés, Boulala Panzu Paul, Boubakari Koulibaly et Zao Zi Yan. Cinq préventions, notamment le détournement des deniers publics, la violation des consignes et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, sont retenues à leur charge par l'auditeur général, ministère public, représenté par le lieutenant général Bivegete Pingasolo Jean. L'organe de la loi s'inscrit en faux contre la requête des prévenus civils de disjoindre la cause et de les transférer devant leur juge naturel. La haute cour militaire va départager les partis par son arrêt avant dire droit.